La Chine a-t-elle réussi à infiltrer la DGSE? Deux anciens agents du renseignement français ont été mis en examen, soupçonnés d'avoir livré des informations secrètes aux autorités chinoises. Les deux agents et une de leurs épouses sont accusés de faits qualifiables de trahison, a précisé la ministre française des Armées Florence Parly ce vendredi matin. Alertée par la DGSE elle-même, la justice les a inculpés le 22 décembre dernier à Paris et placé deux d'entre eux en détention provisoire. Les faits porteraient sur la période 2016-2017, mais rien n'a filtré sur la nature des informations livrées. Selon le journal Le Monde, Pékin aurait cherché à espionner le renseignement extérieur français. L'un des agents travaillait à Pékin, selon l'émission Quotidien, qui a révélé cette affaire jeudi soir. Elle avait jusqu'ici été gérée dans le secret. Interrogé, le porte-parole de la diplomatie chinoise a affirmé ne pas être au courant.